Le travail invisible fait allusion au travail non rémunéré effectué au sein de la sphère familiale auprès des enfants, de même que celui des aidants auprès des proches malades, âgés ou en perte d'autonomie. Dans ce travail, on trouve ainsi les tâches domestiques, la charge mentale, mais aussi le bénévolat ou les stages non rémunérés. Ce travail, majoritairement effectué par les femmes, est qualifié d'invisible parce que sa valeur n'est pas reconnue ni comptabilisée dans les comptes nationaux comme le PIB, produit intérieur brut. Le travail mené par les mères au sein des familles est essentiel, mais toujours aussi méconnu de la société, alors qu'il s'agit d'une très grande responsabilité qui repose sur les épaules de la grande majorité des femmes, rompues au quotidien à des tâches diverses. Selon une étude, les femmes consacrent en moyenne 3h36 minutes par jour aux tâches domestiques et les hommes seulement 2h. La différence annuelle étant de 523 heures, soit 13 semaines de 40 heures effectuées en plus par les femmes. Une tâche lourde et constante qui pourtant mérite une reconnaissance. Aussi, la célébration de la Journée mondiale du travail invisible est une façon de permettre à tous de mieux comprendre et apprécier la valeur de ce travail au fond invisible mais grandiose effectué par les femmes au sein des familles.